Hello, hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la team Yespicraft sur le thème cette fois-ci des animaux de la forêt. Alors j'ai eu envie de vous faire un speed modeling sur comment réaliser ce renard, parce que le renard est l'animal que je préfère dans les animaux de la forêt, même si j'aime beaucoup aussi les écureuils. Mais voilà, c'est le thème à inspirer ce petit renard. Donc je vous laisse découvrir à présent ce speed modeling, j'espère qu'il vous plaira. Et je vous retrouve à la fin de cette vidéo au moment du montage du bijou.
Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre tête, vous n'avez plus qu'à passer la tête du renard au four à 110 degrés pendant 30 minutes. On va passer maintenant à un simple montage sur un collier. Pour ceci, on va venir coller la tête sur une petite estampe ronde en bronze. Alors pour le montage, il vous faudra de la chaîne bronze, une chaîne bronze avec un fermoir, des petits anneaux de jonction, et là j'ai choisi des plumes, ça aurait pu être des feuilles, mais bon j'ai trouvé que c'était plus joli l'ensemble bronze pour aller avec les couleurs de la tête du renard. Donc vous allez prendre vos anneaux, vous allez passer vos plumes de chaque côté de la bélière. On va venir ensuite accrocher la tête du renard au centre de la bélière. Et on va venir poser la dernière plume à l'aide d'un anneau de jonction sous la tête du renard. Ensuite, on n'a plus qu'à passer la chaîne à l'intérieur de la bélière. Voilà pour ce collier tête de renard sur le thème les animaux de la forêt. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous avez aimé ce speed modeling. Et je vous dis donc à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt!